Les deux Koyaka arrêtés sont prêts à bloquer le corps, voilà, du prieur Amadou Moukoulibaly. Nous sommes en plein pays Poro, pays Sénoufo. Voilà. Vous voyez deux Koyaka avec voilà. Ils vont chercher à bloquer le corps. On va voir s'ils vont réussir. Hein. Voilà. Le corps quitte maintenant l'aéroport de Korogo pour la ville de Korogo. Voilà. Est-ce que nos deux Koyaka arrêtés là vont réussir à bloquer ce corps-là? Merci. Suivez-nous sur Afrique Press. Ouais, ils n'ont pas réussi à bloquer une bonne partie du cortège. La presse l'a été passée, les autres journalistes passent. Nos deux Koyaka souffrent. Certainement, un responsable de la gendarmerie va intervenir. Voilà, il va essayer de les motiver, les satisfaire. C'est comme ça la tradition ici en pays Poro. Voilà. Ah, un billet de 10 000 francs tombé, mais ils sont pas toujours satisfaits. Voilà, ils veulent encore plus. On suit la suite en direct sur Afrique Press. C'est normal. On ne peut pas les envelopper. C'est normal. C'est symbolique, frère. C'est bon. Ils ont même des soutiens ici, voilà, les deux Koyaka. Non, mais faut pas ils voient pas. Regardez là. Apparemment, les gens sont d'accord avec la procédure. Voilà. Voilà. Ah, ils sont trompés de corps, c'est pas là le corps, voilà, le corps n'est pas encore arrivé. Voilà, ils ont voulu arrêter encore bien vite, or que le corps est derrière. Nous assistons à une scène un peu inédite. Voilà, l'aspirant va essayer d'intervenir. Voilà, le Koyaka ne veut pas libérer le corps. Voilà, l'aspirant est intervenu. Voilà, je pense que la situation va se... Voilà, l'aspirant essaie de parlementer. Voilà, ils sont motivés, ils sont assez motivés. Voilà. Voilà. Assez motivés, ils vont devoir démanteler l'endroit pour laisser le corps passer. Voilà. Quelqu'un veut faire la scène? Le corps est enfin passé, les deux Koyaka ont libéré le plancher, le corps en train de faire mouvement. Voici la dépouille mortelle du Premier ministre Amadou Moukoulibaly qui est en train de quitter l'aéroport, suivi de plusieurs membres du gouvernement, plusieurs membres de la famille aussi. Voilà. Depuis